dans le cadre de la restauration de l'institution municipale, le légué spécial en charge de la commune de Libreville, le général de brigade Jude Ibrahim Rapotiombo, a lancé officiellement ce 26 juin 2024 la deuxième phase des travaux du comité technique ad hoc qui sera chargé d'élaborer un document stratégique pour la bonne gouvernance de la commune de Libreville. Le délégué spécial a ouvert les travaux en ces termes. Mesdames et messieurs les délégués spéciaux adjoints, monsieur le secrétaire général de la mairie de Libreville, mesdames et messieurs, distingués invités, à l'entente de mon propos, j'ai l'insigne honneur de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous exprimer mes remerciements pour avoir mené à bien la première étape de ces travaux qui étaient axés sur l'élaboration du diagnostic de notre institution. Ces remerciements s'adressent en particulier aux membres du comité technique ad hoc qui ont œuvré à la réalisation de ce travail dont l'objectif a été de prendre en compte les préoccupations liées aux quatre batailles que sont la salubrité publique, l'assainissement des finances, la modernisation de la masse salariale et la gestion des ressources humaines, les infrastructures. En effet, le résultat de ce diagnostic ayant révélé plusieurs écueils, notamment les chevauchements, les empiétements, les doublons, l'exécution des missions non réglementaires et la présence dans les unités opérationnelles des sous-unités opérationnelles non prévues par le cadre organique en vigueur. Il convenait tout naturellement de passer à la deuxième étape, comme le prévoit l'arrêté numéro 0035/PE/CL/SG/DCAJC du 5 décembre 2023, portant création du comité technique ad hoc chargé de l'élaboration d'un projet de document de stratégie de la commune de Libreville. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la seconde étape portant sur le processus de restauration de l'institution municipale et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Je vous remercie. Rappelons que la deuxième phase des 10 travaux est précédée d'une première qui consistait à faire le diagnostic de l'institution. Elle relevait déjà certains dysfonctionnements au niveau organisationnel et institutionnel. Ce nouveau comité technique sera présidé par le délégué spécial 3, Brice Obama.